est quelle heure, là? Ben, je sais pas, 6 heures. Oh, on va te recoucher, mon petit papa. Ah, Gabriel, tu peux. Ouais. On a fini l'enregistrement, fait que on est allé fêter un peu avec le reste d'équipe. Un peu, ouais. J'espère que tu travailles pas aujourd'hui, toi. Non, congé. Là, bon, on va prendre ma douche, après ça, je m'en vais me coucher. Ouais. Gros party. Hey, donne-moi ça. Ben. On a commencé ça à plusieurs, puis on a fini ça à deux. Hein? Le party. Hey, je joue pas de compte à te rendre, hein? T'as pas de compte à me rendre, Gabriel, mais je trouve que tu mènes une drôle de vie depuis quelque temps. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que depuis que t'as ta nouvelle job, je trouve que tu fais moins attention à toi. Hey, wow, là, faire attention à moi. J'aime pas ça quand tu passes la nuit dehors, je sais pas où, avec je sais pas qui. Ça m'inquiète, moi, ça. Tu savais même pas que j'étais pas rentrée, puis si j'avais pas oublié mes clés, là, tu t'en serais jamais aperçu. Tant que tu vas avec moi, Gabrielle, tu dois tenir compte de ce que je pense. Je suis inquiète, toi. Mais arrête de t'inquiéter. Je suis capable de prendre soin de moi-même. Hey, vieux. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je calcule. Hey, on est samedi, là. Je sais, mais c'est pas de ma faute, j'arrive pas à dormir. Mm. Penses-tu que je devrais les louer ou les acheter? Tu parles de quoi? Les machines à coudre. Isabelle, comment tu veux, je le sache, je sais même pas combien ça coûte. Ouais, une liste de prix ici. Regarde. Isabelle. Quoi? J'ai pas le goût de regarder ça maintenant, il est même pas 7 heures. Je le sais, mais ça m'énerve. T'as rendu compte que je me pars en affaires? Faut que j'engage du monde, faut que j'achète du matériel, faut que j'aille tout ça, je connais absolument rien là-dedans. Ton père va t'aider. Non, non, le moins possible. Oh, oui, regarde celle-là. Oh, qu'est belle! Regarde, Louis! Isabelle! C'est une vraie Cadillac! Tu penses qu'avec le débit qu'on a, on peut l'acheter? Isabelle, j'ai pas le goût de regarder ça maintenant. Dans 2 heures, je vais te donner un avis intelligent, là, mais là, je veux dormir, OK? C'est correct, laisse-moi avec mes angoisses. Je vais juste faire des gros brûlements d'estomac. Mais si tu continues même, il y a des chances. Viens te recoucher, là. Moi, je vais te montrer une bonne façon de relaxer. Ah non, ah ben non. J'ai pas la tête à ça. Louis, s'il te plaît, j'ai pas la tête à ça. C'est une femme de carrière. Tu t'es pas couché? Non. J'avais faim. Peux-tu déjeuner alors que je veux? Ben oui, t'es bien à pied. J'ai pensé dormir. T'avais juste à te recoucher. Pour me faire réveiller à nouveau parce que tu viens manger? Je te connais. Je suis capable de me faire à manger sans faire de bruit. Je suis pas si en dessin que ça. Habituellement, peut-être, mais après avoir passé la nuit à bambocher, je suis pas sûr. Bon, qu'est-ce qui te prend, là? C'est quoi, là? Ton retour d'âge, là? T'as décidé, là, tout d'un coup, de jouer au père? Ben, si c'est ça, tu vas jouer tout seul parce que moi, je joue pas. C'est pas ça. J'espère, parce que l'esprit paternel, je suis pas sûre que tu sois capable de l'avoir. Je te remercie. Julien, laisse-moi vivre à ma façon, veux-tu? Je te l'ai dit, là, je suis assez vieille pour être capable de me débrouiller. Je suis désolée que ma nouvelle job te plaise pas, mais moi, je l'aime. Je me sens bien puis je m'amuse. Gabriel! Laisse-moi tranquille. Fais donc comme d'habitude. Bon, excuse-moi, là. Normal, ce temps-là. Oui, ça, tu l'as déjà dit, reviens-en. À cause de toi. Chose. Bon. Semblait aussi. Louise veut qu'on habite ensemble. Ici? Avec ses morveux? Ah, c'est pour ça que tu me fais ce temps-là, hein? Tu veux que je parte et tu sais pas comment me le dire, c'est ça? Mais pas du tout. Elle veut que j'aille vivre chez elle. Elle est malade? Ben, je veux dire. Elle te connaît pas, puis ça paraît, parce que toi puis la famille... Moi, ben, me connais justement peut-être plus que tu penses. Ils sont sérieusement à dire oui. Hein? Ouais, ouais, attends, là, je suis en train de faire un cauchemar, c'est certain. Je vais me réveiller, puis tu m'auras jamais dit ça. Je suis très sérieux. C'est dur pour moi de te voir aller de même. C'est dur mon égo, ça. Parce que je suis plus en forme que toi? Non, non. Parce qu'après tout l'exercice qu'on a fait cette nuit, tu devrais être à terre.
cas de Caro, je t'épuise pas assez, c'est déprimant, ça. Mais non, je suis juste plus jeune que toi, François. Voyons donc. Savais-tu que j'ai lu ça dans une revue sérieuse, que faire l'amour, c'est comme courir 3000? Ah, oui. Pourquoi faire du jogging? Hein? Ah, ouais, là, mon petit chanceuse, on est samedi, viens-t'en dans le lit, là. Ah, ouais, on s'enligne pour un marathon. Non, hey, non. 42 km, là. Ça fait combien en mille, ça? Non, sérieusement, François, je peux pas, là. J'ai un examen à préparer, je vais passer une bonne partie de la journée à la bibliothèque. Toi, quand t'es sérieuse de même, tu me fais assez penser à ton frère. Oh, ben, hey, laisse faire mon frère, là. Déjà qu'il faut que j'aille souper là, soir. Mais je te dis, faut qu'il t'aime pour se forcer à m'inviter, là. Ouais, c'est sûr, écoute, je suis tellement aimable. Moi, je me passerais bien de ses efforts. Ah, ouais, donc, on va avoir du fun. Ouais, oui, c'est ça. Salut. Ton journal est arrivé! OK, va chercher le journal, Boud. Ah oui, mais la porte, Caro! Ferme la porte! Oh, c'est pas vrai, un peu un slag. Elle laisse la porte ouverte. Le chien est sorti. Ah oui, c'est debout! Rentre dans la maison, là. Ah ben, ah ben, ah ben! Hey, hey, hey! You! Ah oui, c'est... Salut! Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est ça, le virage ambulatoire? T'as pris ça? Tu fais des visites à domicile? Coudon, Daphné, es-tu marrant? Ah, oh, non, 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 inquiète-toi pas, elle va très bien. Ah, bon, bon, good. Sa petite pépine de coqueur, ça a l'air d'aller mieux aussi. Ça a l'air. Oui, rentre, rentre, j'allais me faire un café. Ah, non, je te remercie, mais j'ai pas le temps, je travaille. Ah, c'est plate, j'avais quelques questions à te poser. Ah, mais je peux pas, je suis lié par le secret professionnel. Même pour les visites à domicile. Oui, oh, donc, Philippe, comment? Tu me dois bien ça, là. C'est grâce à moi tu l'as rencontré, Daphné, oui, non? Je te remercie. Okay. Ah, viens-t'en à bout dans le coucher du autre. Ah, ouais, c'est sérieux. J'ai vraiment l'impression qu'il faut qu'il se passe quelque chose si je veux pas la perdre. Mais c'est du chantage. Elle peut pas te faire ça, Julien. C'est pas mieux, là. Tu vas aller chez eux, puis ça durera pas 6 mois, votre affaire. Tu te trouves un peu insultante. C'est pas si invivable. Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble, puis t'es pas encore mort. T'es assez vieux pour savoir ce que t'as à faire. Moi, je trouve que tu t'embarques dans quelque chose de bien compliqué. C'est sûr qu'au début de notre relation, j'étais pas prête à envisager ça, mais là, j'ai changé. Je suis plus casanier. Je m'en sers plus souvent avec elle. L'aider aussi. C'est pas évident de tout faire toute seule. Elle est toujours à la course. Mais t'es pas responsable de sa vie? Non, mais si je décide de la partager, je décide de faire ma part aussi. Je peux pas prendre tout d'elle sans rien y donner en retour. Mais comment ça, rien y donner? Pas parce que tu vas pas mener ces petits à leur cours de natation que tu y donnes rien. Tu la gâtes, t'en prends soin, tu y donnes des fenêtres d'évasion dans sa vie de fou. C'est pas rien, ça. Ouais, ben là, ça a l'air que les fenêtres, c'est plus suffisant. Elle veut toute la maison. Elle devrait faire attention parce que t'es plus du genre fenêtre que du genre maison. T'as le besoin de laisser entrer le vent. Mon Dieu, ça te fait pas, toi, une nuit blanche. Tu devrais essayer ça. Peut-être que ça t'ouvrirait les yeux. Parce que j'ai les yeux ouverts, justement, que c'est pas simple. En tout cas, tu feras bien ce que tu voudras, hein? Mais tu sais ce que moi j'en pense. Bonne nuit. Hey, hey, hey! Bon, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, cette affaire, je m'en viens déjeuner, moi, là. Non, c'est pas vrai. Pas du pamplemousse. T'as pas autre chose que ça. Je t'ai pas invité à déjeuner. Est-ce que je sache? Hey, Dupré! Je m'en viens travailler pour toi toute la journée. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est m'offrir un petit déjeuner consistant. Question que je sois plus efficace, là. C'est correct, laisse faire. Hey, t'as toujours une bonne raison, hein? Ah ouais, assis-toi, je vais te faire des yeux. Louis, il est pas là. Parce que la dernière fois que tu m'as fait des yeux, j'aurais pu jouer au frisbee avec. Tu manges les miens ou bien tu t'arranges tout seul? C'est correct, OK. On va te les prendre brouillés, je prendrai pas de chance. C'est quoi, ça? Ah, je calcule pour savoir combien ça va me coûter par mois pour faire rouler l'atelier. Burr, slack, c'est ton loyer, ça? Ça n'a pas de bon sens, je les donne, les miens. C'est qui le propriétaire de ça? C'est un bail commercial sur une rue commerciale. C'est pas si cher que ça, j'ai déjà vérifié. En tout cas, c'est moins que ce qu'il demandait au début. Non. T'es revenu anticiper son où? Pour l'instant, c'est juste qu'on sauve en confection, mais j'espère décrocher d'autres contrats. Pourquoi tu t'embarques là-dedans, toi? Tu vas réussir à gaspiller le peu d'économie que Louis a réussi à faire. Hey, t'es pas mal insultant, toi. Louis met pas une scène là-dedans. Ouais, mais fais bien en maudit, moi, te dire. Ça
Ça me tente pas d'entendre ça. De toute façon, tu connais rien dans ce domaine-là. Écoute, je connais peut-être rien dans ce domaine-là, mais moi, je reconnais une affaire qui a pas d'allure quand j'en vois une, OK? Ben oui. Du moment que ça me concerne, tu trouves toujours que ça a pas d'allure. Ben. Coudon, sais-tu que j'avais jamais remarqué ça, moi? Méchante coïncidence, c'est vrai, Isabelle. Ça sent bon. C'est pour moi? Non, c'est pour moi. Les œufs appartiennent à ceux qui se lèvent de bonheur, mon pit. T'es de bonheur à matin, toi? Comment ça, de bonheur? Fais-le, toi, de bonheur. Hé, hey, l'avant-midi est quasiment fini. Si c'est de cette façon-là que ta blonde elle gère sa business, c'est aussi bien de mettre la clé dans la porte tout de suite. On se fait pas chier dans la poussière de la fin de semaine pour rien. Hey, on est-tu vraiment obligé de l'endurer? Il me semble qu'on pourrait se débrouiller sans nuit pour les réparations. Ben, on a besoin de quelqu'un de compétent. Tu sais, je pourris avec un marteau. C'est vrai, ça? Par là, tu sais, Isabelle, là, pour avoir l'air intelligent dans la vie, il faut faire ce que pourquoi on a été conçu dans la vie. Comprends-tu? Comme moi, ben moi, c'est la dextérité manuelle, c'est le sens de l'organisation, le... Tu sais, Louis, lui, c'est la minutie, les petites affaires, le sens du détail, tout ça, tu sais. Toi, c'est... Toi, c'est... je vois pas, là. En tout cas, c'est pas la cuisine, certain, hein. C'est pas la business non plus. hey, coudon, burst slack, Isabelle! Tu sers à rien! Comment tu fais vivre avec le poids de l'inutilité sur les épaules? François, mange tes œufs puis ferme-la, OK? Il là. Allez, laisse-moi, Isabelle, je m'occupe des miens. Tu vois, même ton chum, il a peur de ta bouffe, c'est bon, ça. Mange! Faux, hein? Qu'est-ce qu'il prend? Tabasco! T'as pas fait ça, Isabelle? J'avais pas le choix, j'avais pas de poison à rat à portée de la main. Vous me découragez, vous deux. Tu sais bien qu'ils pensent pas un mot de ce qu'ils viennent de dire. Ils pensent pas, point. Bon, si vous êtes pour vous battre toute la journée, ça va être l'enfer. T'as raison. C'est quoi t'as mis là-dedans? C'est quoi l'idée, là? Tu veux me tuer? Je suis désolée, François. Ma mère faisait souvent ça, mais du tabasco dans les yeux, c'était excellent. Mais là, je pense que j'en ai un petit peu trop mis. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Tu mériterais que je te fasse avaler de force. François, Isabelle a dit qu'elle était désolée. Ça s'arrête là. Arrête de l'écœurer, puis avoir arrêté de vouloir t'empoisonner. Ah, ah. Vous deux, vous me faites penser à deux enfants qui ont pas de tête. Vous êtes des amis, oui ou non? Non. Deux niaiseux. Ça t'apprendra à nous traiter de niaiseux, toi. Ouais. On devrait faire ça à chaque printemps. Tout le monde se regroupe, puis on fait une corvée générale de ménage un appartement après l'autre. C'est plus le fun en gang, ça va plus vite, c'est moins ennuyeux. Je suis pas certaine, moi, que j'aimerais ça que tout le monde fouille dans mes armoires puis dans mes garde-robes. J'ai assez de difficultés à garder intact un peu de vie privée avec un coloc qui cherche toujours à tout savoir. Je savais que j'allais finir par t'énerver avec mes questions. Antoine. Je te dis uniquement ce que j'ai envie de te dire. Tu sais rien de moi. T'as pas idée de comment tu ne connais pas Maryse Lemieux. Je pense que je te connais plus que tu me connais. Puis ça, là, juste en t'écoutant, puis en te regardant. Je l'ai toujours dit que je parlais trop. Mais il y a juste une chose dont tu m'as pas parlé. Impossible. Tes amours. Je sais rien, moi, de tes anciennes blondes ou de tes blondes actuelles. Bon, je t'en ai pas parlé parce qu'il y a rien à dire. Pour l'instant, je suis célibataire. Je suis très bien comme ça. J'ai même pris un peu de recul avec mes amis. Disons que ma dernière rupture a été plus difficile à prendre que je pensais. Ça va me prendre un peu de temps avant d'être capable d'entreprendre une nouvelle relation. Je comprends ça. Mais il y a sûrement des gens de l'université que tu pourrais me présenter. Oui, c'est sûr. Mais pourquoi tu es si impatiente que ça de rencontrer mes amis? C'est du monde bien ordinaire. J'ai juste hâte de leur parler. Tu sais que tu as beaucoup d'avance sur moi, toi, depuis que tu as passé un après-midi avec François. Tu m'en as jamais reparlé, mais je suis certaine qu'il a dû te raconter un paquet de détails qui est très loin de la réalité. T'en fais pas, j'ai vite compris qu'avec François, il fallait en prendre et en laisser. C'est ce que je pense aussi. Sauf en ce qui te concerne. Là, il semblait très au courant. Mais voyons donc. Tu vas pas prêter foi à ce que raconte François. On voit tout de suite, là, au premier coup d'œil, que c'est le genre de gars qui recrée la réalité à sa convenance. Il est pas mythomane, là, parce qu'il garde quand même contact avec la réalité, là. Je veux dire, il enjolive, il fabule, il s'organise toujours pour être le héros de sa vie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est merveilleux. Tu parles tellement bien. Faudrait juste que tu apprennes un peu à maîtriser ta gestuelle. Ça paraît trop que tu es anxieuse. Oh, je suis pas anxieuse du tout. J'ai juste peur qu'il ait déformé les faits. T'en fais pas. Tout ce qu'il a dit sur toi était plutôt flatteur. J'ai appris des choses qui peuvent nous aider dans notre cohabitation. Comment ça?
Ça a l'air que si t'invites un gars à coucher, je suis mieux de passer la nuit ailleurs. Hein, sinon, je risque de pas dormir de la nuit, puis... Ah, oh, je vais le tuer. C'est pas vrai. Il a pas dit ça. Je te niaise. Ah, je vais te tuer! Ah, non. Salut, salut, salut! Comment ça va? J'ai pas de propriétaire. Mais désolé, t'arrives trop tard. Le déjeuner est terminé depuis longtemps. Ouais, non, toi, je viens pas déjeuner. T'es bon, toi. Ça fait des années que je fais plus ça, moi, m'inviter chez le monde à manger. Fais là. Qu'as-tu? Ah non, c'est juste que je suis passé ici, là. J'ai vu que t'étais levé. Je me suis dit, tiens, je vais aller dire bonjour à mon petit Julien. Bien aimable. Merci. Alors, tu le sais, tu me connais, Julien. Moi, faire plaisir au monde, c'est ce que j'aime le plus. Merci. Puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, oh, là, je m'envoie des louis à faire le ménage, la nouvelle business de sa blonde. Un atelier de confection, là. Une niaiserie qui va faire fête dans deux mois, ça. Non, c'est dans son affaire, c'est génial. Pas couché, tout. J'ai mal à la tête, puis je viens en bas. Salut, beauté! C'est à cette heure-là que tu te lèves? Non, c'est à cette heure-là qu'elle se couche. Elle tient un chum, hein? C'est pas si c'était un chum, mais en tout cas, elle a pas couché ici. Elle s'est faite un devoir et un plaisir de me réveiller. Ben, quand tu vas chez ta blonde, je te dérangerai plus. Comment ça, chez ta blonde? Tu déménages, toi? Il n'y a encore rien fait, mais ça se peut que j'aille racheter chez Louise. Hein? Mais ça, ça regarde que moi, François Dion. Oh. Mais t'en fais, toi, ça regarde que toi, ça me regarde moi aussi. Hey, si tu déménages, ça me fait un logement de ville, faut que je le loue, moi, là. Voyons, pourquoi tu dis pas à ta loulou qu'elle vient de s'installer ici? Il n'y a pas de place, les enfants. Ah, c'est vrai, des mocs, ça. Ouais, des petits, ça fait des trous dans les murs, ça crie, ça dérange les voisins, ça. Non, 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 c'est pas bon, ça. Le bloc, si, il y a une réputation de tranquillité, faut pas que ça change. Gab, dis-y, faut pas que ça change. Hey, wow, là, j'ai déjà assez de misère à faire fonctionner le minimum, là. Demandez-moi-en pas trop. Hey, mon Julien, come on. Faut que je sois franc, là. Tu peux pas aller vivre avec Loulou. Non, t'es pas faite pour ça, toi. T'es pas assez mature, voyons, là. T'es trop, là. Oui, je suis trop quoi? T'es trop célibataire, c'est ça. Écoute, parce qu'on est pareil, toi pis moi. On est exactement pareil. On peut pas vivre sans quelqu'un dans notre vie, mais on peut pas vivre avec non plus, tu sais. Écoute, c'est ton destin, il va falloir que tu l'assumes. Tu peux pas te battre contre ça, mon gars. Ouais. Puis trouver des bons locataires comme moi, c'est pas facile, hein? Là, tu me prêtes des intentions mauvaises là, qui sont pas les miennes. Maman. Bon. Puis, on va retrouver ça. Ah, oh, ben, écoute bien, c'est bien moins pire que je pensais. Bon, ben, les gars, on va pouvoir y aller, nous autres. Les petites madames, ils n'ont pas besoin de nous. À eux deux, la petite demi-heure, c'est fini, ça. François, avec ton aide, dans 15 minutes, on a fini. T'es optimiste pas mal. C'est crotté en masse. Mais ça fait combien de temps que c'est vide, ça, ici? Ça fait pas longtemps. Il était pas dédaigneux. Mais, monsieur, je vous montrerai, là, des appartements que certains locataires me laissent, moi. Vous seriez toutes malades. T'as raison, François, merci. De toute façon, on va laver les fenêtres, on va laver les planchers, vous allez voir, c'est le plus bel atelier de confection que vous aurez jamais vu de toute votre vie. Ben, je suis certain. J'en ai jamais vu de ma vie. Il est fou comme la merde, une joke, attends pas l'autre. Plus ça va, plus je t'aime, toi. Mais non, tu dois pas taire, là, c'est Maëlys. Parce que Maryse, elle aime ça, les gars, avec un bon sens de mots, tu sais. Ouais, j'aime aussi ceux qui savent se taire. Ah, hein? Ça, je te comprends. Donc, c'est pour ça que ça clique, moi, pis elle. Non, parce que s'il y en a un qui sait, c'est quand le temps exactement se la fermer, c'est bien moi, ça. C'est vrai, je suis d'aller de délicatesse faite mort, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir le talent de sentir juste après les réactions de son entourage, c'est quand exactement le bon moment de fermer sa gueule. C'est vrai, ça. Moi, il y a un super beau dicton qui dit. La parole est d'argent, mais le silence est d'or, vous connaissez ça? Il y a l'autre aussi, là. Vaut mieux se taire et passer pour un débile que de parler et de le prouver. C'est vrai, ça. Il y a bien du monde qui ferait bien de mettre ça en application, à commencer par nos chers politiciens. Avez-vous vu la dernière connerie de notre gouvernement? Ils subventionnent les recherches sur le tabac d'un bar, puis ils condamnent de l'or. Moi, personnellement, j'étais Preston Manning, je leur dirais, puis. Quoi? Tais-toi! OK. Mais moi, ça me dérange pas, vous allez trouver ça plate, hein? Parce que là, on pensait amener du stock nettoyé et tout ça, mais personne n'a pensé à amener quelque chose pour écouter de la musique. On va aller chercher une radio. Fais celui de la boutique en bas, comme ça, tu sauveras pas trop longtemps du ménage. Oh, tu me connais mal, j'aime ça le ménage. Bon, si on commençait. On commence-tu par le mur, là-bas? OK. Excusez-moi. Toi, comment tu trouves ça? Je sais pas encore, là. Non, mais c'est grand, non? Le fait que ça soit en haut de la boutique, c'est bien? Bien, sûrement, mais moi, j'ai pas ton imagination. Hein.
Je vais voir quand tout va être terminé. Là, je peux pas vraiment me faire une idée, mais je te fais confiance. T'es plate. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Isabelle, c'est merveilleux, c'est fantastique. C'est le plus beau local vide, sale et poussiéreux que j'ai jamais vu de ma vie. Vite, déménageons, venons vivre ici, c'est trop beau. Oui, dis-moi ça, puis dis-moi plus que ça. Dis-moi que je me suis pas trompée. Dis-moi que je me casserai pas la gueule. Que je gaspillerai pas tout l'argent que mes parents m'ont donné. Oh là là, ça, c'est une grave crise existentielle. J'ai besoin d'aide. Maryse! Quoi? Ta chum a besoin d'être assurée, fais ta job. Oh, Isabelle, c'est magnifique. Mais oui, t'as bien fait de louer. Ouais, tu vas devenir riche. Et célèbre. Tu vois, c'est facile. Tu vas être efficace. Et voilà. Good. Et ça te dérange pas? Wow. Non, parce que je peux aller en prendre une chez nous. Moi, c'est Isabelle qui a insisté que je prenne celle-là. Ouais, non, c'est juste pour mettre un petit peu d'atmosphère dans la boutique. Là. Quand même qu'il n'y aura pas de musique pendant la journée, ce sera pas la fin du monde. Les clientes s'en rendront même pas compte. Good, good, good. Hey, tu trouves pas ça risqué, votre affaire en haut? Il semble que c'est un gros investissement, me coûte de la guenille. Non, non, moi, je fais confiance à Isabelle. Je pense que ça va marcher. Même que si on gère ça intelligemment, on peut peut-être faire de l'argent avec ça. Ah, oh, ouais, faire de l'argent? Mais écoute, tu le dis, hein, là, oui, toi et ta soeur, vous connaissez ça, hein? Mais oui, t'as-tu des nouvelles de ta soeur, toi? Oh, bon, dernière nouvelle, elle voulait être à Milan pour la présentation des nouvelles collections. Ah, c'est le fun, elle va revenir avec plein de nouvelles idées pour la boutique. Vas-tu venir nous aider tantôt, toi? Mais là, je serais supposé, là, si Mélodie peut finir par arriver. Mélodie? Oh, c'est une nouvelle vendeuse. J'ai engagé la fille de quelqu'un que je connaissais, puis elle est pas très efficace, en tout cas. Pas très ponctuel. Toi, je te dis, mon Simon, t'es pas possible. Chanceux. Les mannequins, les vendeuses, passer ça en entrevue, il me semble que ça doit être bien plus le fun que de passer des plombiers et des menuisiers. C'est du travail pareil, hein. À partir du moment que c'est une job, là, tu vois plus les filles de la même façon. Ouais, oh non, Simon, c'est vrai, c'est vrai. Regarde les mannequins, par exemple. Je n'engage pas nécessairement les filles que je trouve les plus belles. Hein. J'engage les filles qui mettent le mieux en valeur le linge. C'est bien différent. C'est vrai. En tout cas, tu as amené chez nous au party la dernière fois, tu mets un torchon sur le dos, puis t'as tellement valeur. Mais là, on parle d'un party. C'est sûr que si c'est un party, je peux me permettre de laisser mes goûts intervenir dans mon choix. Ouais, là, ouais, c'est sûr. C'est plus du travail. Sacré Simon, t'es pas possible. Mais moi, je fais une affaire, je te passe mon meilleur plombier, tu me passes ton meilleur mannequin. C'est correct, ça? Ah ben, attends une minute. C'est bien intéressant, ça. OK. Tu m'arranges un bon deal avec un électricien pour qu'il fasse la job qu'il a à faire en haut, puis moi, si tu veux... Je peux t'arranger une petite soirée avec elle, si tu veux. Si je veux? Tu as l'air de moi, mais sans là-dedans, mon Simon. OK. It's a deal. C'est la fois que je te demande si t'en parles pas Isabelle, est-ce que... Ah, ben oui, c'est vrai, tu sors avec sa belle-sœur. Non, inquiète-toi pas, je suis capable d'être très discret. Moyennant un bon deal, évidemment. Évidemment. Il est pas possible, ce gars-là. T'es pas possible, toi. Hey. Sais-tu quoi, mon Simon? J'ai l'impression que t'as plus le sens des affaires que je pense, moi. All right. Je t'en parle pour elle. Bon, tournant en haut, ouais, s'ils font ça comme du monde. Là. OK. All right. Excuse-moi. Ouais, ouais. Ciao. Alors, regarde-moi donc ça, toi. Burse. Il y a des clientes en plus. Il y en a qui ont tout, je te veux. Hey, regardez ça. J'ai trouvé des faire-part de mariage. Oh là là. Je comprends pourquoi ils ont fait faillite. Vous êtes convié, EZ. Wow, réponds assez, s'il vous plaît. Non, 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 c'est pas écrit ça. Non, réponds assez, non, mais convié avec un Z, oui. Yeah. Il y a des cartes de baptême, de prompt rétablissement, de décès. Pourquoi ils ont tout laissé ça ici? Ils auraient pu les jeter, au moins. De toute façon, ça va tout finir au recyclage. Coudon, t'es allé chercher au Japon? Eh non, mais wow, là, je suis pas un sauvage, moi. J'étais pas pour me sauver de là en courant, là. Ben oui, c'est du ménage que tu t'es sauvé en courant. Hey, Dupré, je te ferais remarquer que tu travailles pas fort, toi, là, et non, oui. En train de fouiller dans les cartes d'affaires de l'ancien locataire. Bon, François, mets-nous de la musique et travaillons dans la joie. Ouais. Oh, Burslack, je pense que les batteries sont à terre, hein. C'est pas les batteries, c'est de la musique Nouvel Âge. La musique Nouvel Âge? Ah, ouais. Burslack, c'est pourquoi ça marche pas votre business? Non, mais les clients qui arrivent là, ils doivent s'attendre à ce que vous arriviez en lévitant dans les airs avec un piton dans le front, là, t'sais. Ici, on fait léviter les prix. C'est pour ça qu'ils sont si hauts. François, arrête ça puis mets la radio, OK? Non, 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 c'est bon, ça. Laisse ça là. T'sais. Non, ça commence à faire effet. Votre subliminal, ça. Non,
Je sens quel Krishna qui fait du chakra dans mon karma, là. Hey, je sens des messages de l'au-delà. Tiens, les voilà, tes messages. Et voilà. Si jamais vous changez d'idée pour la robe, vous reviendrez. Ça vous irait très bien. Mmh, je vais réfléchir. OK, au revoir. Merci. Hello! Est-ce que t'as une petite idée de l'heure? C'est parce que t'es plus qu'une heure en retard, là. Yeah, radio. Laisse faire la radio, je te parle, là. T'es pas arrivé une seule fois à l'heure depuis que t'as commencé. Tu trouves ça sérieux? Hey, I was working for you this morning. J'ai enregistré une heure et demie de bonne musique. C'est assez plate que vous avez, les clients s'endorment avant de se rendre au fond du magasin. Où t'as mis le radio? Je vais te faire écouter ça, tu vas voir, c'est cool au bout. Mélodie, je t'ai pas engagée pour que tu t'occupes de la musique, t'es pas DJ, t'es vendeuse. Et au rythme où ça va là, tu seras pas vendeuse très longtemps. De toute façon, tu ne garderas pas, tu me l'as dit. Quand ta sœur revient, je suis dehors. Ça donne à quoi de me forcer? Mais le plaisir du travail bien fait, le respect de tes engagements, la lettre de référence que j'aurais pu te donner. Tu sais, j'ai bien des contacts dans le milieu, moi. J'aurais pu t'aider à te trouver un autre job, mais... Là, je sais pas, tu me donnes pas tellement le goût de te référer à un de mes amis. Hé, je tiens pas à rester venteuse pour le restant de mes jours. J'ai pas besoin de tes contacts. C'est pas payant de travailler pour des boutiques de snob comme la vôtre. Puis tu me donnes même pas de commission. Mes amis qui travaillent en boutique, elles ont toutes une commission puis des rabais sur la lèche. C'est une maudite chance que tu travailles pas en commission parce qu'à date, le montant total de ce que t'as vendu, ça couvre même pas ton salaire. Hé, j'ai essayé, c'est pas de ma faute. C'est trop cher, tes affaires. Wake up, bonhomme. Le monde est cassé. Je connais pas une folle qui paierait 200 pièces pour une blouse. Mélodie, regarde. Il y en a juste en une qui vient de sortir. Si t'as cette attitude-là, je comprends que tu vas en rien. Hey, je suis pas épaisse. Je le dis pas, je trouve ça cher. Ben oui, mais justement, il faut pas que tu trouves ça cher. Faut que tu sois convaincu que c'est pas assez cher. Regarde ça, là. C'est des créations. Les femmes qui vont porter ça vont être originales, vont être différentes. Et vous me faites rire, vous autres. Comme s'il fallait absolument payer un prix de fou pour être original. Va dans les friperies, mon gars. Tu m'envoies du beau stock, puis pas cher. Allô? Je comprends pas pourquoi tu travailles ici, d'abord. Pour faire plaisir à ma mère. Tu vois, comme je suis une bonne fille. Excuse-moi, boss. Il faut que j'aille travailler. Hey, Tony, mon eau est sale. Viens-tu me la changer? Tu bouges pas de là, t'es pas à son service, hein? Va changer toi-même ton eau, François. Ouais, commande, là. Je suis dans l'escabeau, moi, là. Qui? Pas de ça, Tony, c'est le dernier arrivé dans la gang. C'est normal que tu tapes les jobs plates, là, non? Comme une meute de loup ici, mon Tony. Moi, je suis le dominant, toi, t'es le dominé. Fait qu'à voir le saut. Non. Antoine, si tu bouges. Ever slack. Tony. Écoute, c'est pas compliqué, là. C'est une question d'appartenance, ça. Veux-tu faire partie de la gang? Oui. Bon, faut que tu fasses preuve de bonne volonté, OK? Ah. Va changer mon nom, mettre ton ami, c'est de même ça marche. Oh. C'est correct. À part de ça, laisse pas ta vie être menée par des femelles. Comment? Fais un homme de toi. Fascinant. Hein? T'es fascinant. Hey, je comprends, Maryse, pourquoi t'as écrit une série d'articles sur lui. Hein? C'est un phénomène. Oui! Écoute, mon François, si t'as besoin de ça pour affirmer ton statut au sein du groupe, je vais te la changer, ton nom. C'est bon? Ah. Là, toi, ma statue n'a pas besoin d'être enfermée pantoute. Qu'est-ce que tu... C'est correct. Moi, ton sou m'a changer en même temps que mon eau. Là. Ah, correct. De toute façon, ça prend un homme, charroyer ça, ces deux sous-là. Ouais, hein, puis en dessous, on se comprend. OK, c'est l'heure de pizza. Oh, elle est parfaite! C'est moi aussi. Alors, mon Tony, mange en masse, hein, c'est aujourd'hui ton baptême. J'ai hâte de voir si tu joues aussi bien que tu le dis. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas patiné, là. Attendez-vous pas à des miracles. En tout cas, si tu veux te faire un ami, compte pas plus de buts que François à ta première partie. Oui, il m'a expliqué sa notion de rang dans le groupe. Hey, t'as rien compris, voyons donc, c'est pas vrai, ça. Garde Philippe, il est arrivé bien après moi dans l'équipe, il est meilleur compteur, puis, je lui en veux-tu? C'est pas lui que t'as assommé? Tu m'énerves, Tony, tu m'énerves. Tu comprends pas ce que je t'ai dit. De toute façon, le problème entre moi et Philippe, c'est pas ça, là. Le problème avec Philippe, c'est qu'on a les mêmes goûts, les mêmes filles, tu sais. Il joue tout le temps dans mes plates-bandes. Alors, regarde, plus tard qu'un matin, je sors de chez nous, qu'est-ce que je vois? Mon Philippe sortir de chez ma voisine, Daphné, que moi, j'ai spoté en premier. Oh! Qu'est-ce que t'as de plaindre, François? T'es un homme comblé? Tu sors avec ma sœur? Ouais, comblé, c'est pas ça. De toute façon, vous comprenez jamais rien, vous autres. Y a jamais rien à comprendre dans tes histoires, François. Bon, on mange-tu, là? Oui. Demain. T'es réveillé? Je viens juste. Lui que t'as l'air en forme! J'ai juste, je te dis, ce matin. En tout cas,
C'est pas de ta bonne humeur dont je vais m'ennuyer le plus. Bon, t'es décidé, là? Ben, presque. C'est plus fou que je pensais. Peut-être. Mais s'il passe comme fou, c'est toi qui vas en profiter le plus de ma folie. Mais c'est quoi le rapport? Puis si t'étais pas si endormi, là, ça ferait longtemps que t'aurais cherché à savoir ce que je vais faire avec mes vieux meubles. Hey, c'est vrai, ça, là. Si tu penses qu'est-ce qui va arriver avec ton logement? C'est à toi, si tu veux. Julien, je suis pas capable de payer tout ça à moi tout seul. Le loyer, l'électricité, le téléphone. Mais Julien, tu peux pas me faire ça. Je viens juste de me trouver un nouveau contrat. C'est un contrat de 3 mois après ça. Ben, hein? Pas de panique, là. J'ai signé un bail. Je suis responsable du loyer jusqu'en juillet. Après, ben, tu verras. Tu trouveras un coloc, là. Tu loueras du somme. T'arrangeras avec François. Hey, attends, là. Tu vas trop vite, là. Tout va trop vite. C'est mon temps de digérer ça. Je sais pas. Si je suis prête à le prendre, moi, ton logement. Muriel, t'attendais certainement pas à ce qu'on vive ensemble tout le temps. Mais je le sais, là, mais il faut juste que je pense à ce que je veux faire. J'ai-tu le goût, moi, de vivre dans tes affaires? J'ai-tu le goût, moi, de rester ici? Ouais, c'est bien compliqué. Moi qui pensais que tu serais contente d'avoir la place tout à toi. Mais essaye pas de penser pour moi, je suis capable toute seule. Oui, c'est beau, hein? C'est pas du tout le même local. Je suis pas mal fière de toi. Oui, c'est vrai que je suis bonne pour laver des vitres. Je parle pas de ça, innocente. Non, je suis contente que tu te lances en affaires depuis le temps. Tu savais comment j'ai peur, Maryse. Il me semble que je me complique la vie pour rien. Ben non, ça va être très stimulant. T'as pas vu les statistiques, c'est faillite, toi? Les femmes font moins de faillite que les hommes. Puis toi, tu feras pas faillite. Ouais, j'espère. Mais ça va plus vite, en tout cas, depuis que les gars sont partis au hockey, tu trouves pas? Ouais. Il faut dire que François parlait plus qu'il agissait. Mais ça, il n'y a rien de nouveau. C'est vrai qu'il en avait long à dire aujourd'hui. Mm. Comment tu trouves ça pour Philippe et Daphné? Bon, tant mieux pour eux autres. Hé, hey, essaye pas, je sais que ça te dérange. Mais non, ça a toujours été clair entre Philippe et moi qu'on était amis. De toute façon, il a le droit de sortir avec qui il veut. Marie, je t'ai vu la face quand François a ouvert sa grande gueule. Oh, tu m'énerves, toi. Oui, oui, ça m'écœure. C'est pas logique, là, mais ça m'écœure. C'est un petit peu normal que t'aies encore un instinct de possession pour Philippe. Non, mais c'est plus ton chum, mais c'est quand même ton ami spécial. Ouais. Maintenant qu'il y a une autre fille dans le décor, ça change les données. Ouais, c'est peut-être ça. Et il y a aussi le fait qu'il me dit qu'il veut pas s'attacher, puis la première chose que je sais, il y a une nouvelle blonde. Ouais, peut-être juste une passante. Il sait que s'il recommençait avec toi, ça serait sérieux. Ouais, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, de toute façon, je te l'ai dit, hein, c'est pas logique. De toute façon, ça me dérange pas tant que ça, là. C'est vrai que. Il y a Antoine maintenant, hein. Hey, t'as-tu toujours reçu un torchon, toi, par la tête? Ah, chaque torchon trouve sa gâchée! Salut, les gars! Hey, salut! OK, la gang! On est nouveau dans l'équipe. Antoine Bélanger. Alors, Antoine, c'est la gang. Tony, pour les intimes. Fait que mon Tony. Salut. Tu vas jouer à défense, étant donné que c'est la première fois que tu joues avec nous autres. Hey, Shelly est gauche. Ben, c'est ça. Là, tu vas jouer à défense gauche. Ça te dérange-tu? Hey, Louis, t'as-tu amené ton clipper? Ouais, je pense qu'il est dans ma poche quelque part. Tu vas voir, mon gars, Louis, c'est une main de maître. Il est d'une dextérité, là. C'est effrayant, ça fait pas mal. Ah, Philippe, oui, j'imagine. Ça fait-tu mal? Oh non, non, non. Ça pique un peu quand ça repousse, mais tu mets des boxeurs, c'est moins pire. Je l'ai! Ça va faire le niaisage, là. Je sais comment ça marche. J'ai déjà été dans une ligue, là. Vous essayez juste de me faire peur. Je vais aller faire aiguiser mes patins. Il est-tu plate, lui? Ouh, il connaît peut-être ça, une ligue, mais... il aurait pas dû laisser son stock ici. Philippe, es-tu mêlé, on va arroser ça? Attends, attends, laisse pas sa bouteille de shampoing. Bouteille de shampoing, bouge pas, on trouve ça. Louis! Tu vas, toi? Faut que je m'en aille? Ben non, 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 non. Il te reste encore une heure, on ferme à 50. Ah, ben moi, j'ai des billets pour un chien à Québec, puis je descends sur le pouce. Quand je suis, le partir tout de suite. Oh, OK, OK, OK. C'est bien beau, là. Laisse-moi juste le temps d'aller voir en haut si ça se passe bien, puis après ça, tu t'en iras si ça te tente, ça me dérange. OK, fais ça, Beth. Il faudrait que tu me payes aussi. J'ai besoin de cash en fin de semaine. Oh, la paye, c'est jeudi. Je vais te payer jeudi. T'as pas mérité d'avance. Puis les heures que t'as pas faites, là, je t'ai payé pas.
Fasciste. Ouais, je pense que je vais demander à François de me faire des tablettes sur ce mur-là. Pour les tissus, puis les fils, tout ça. Puis là, je pense que devant les fenêtres, je vais mettre les machines à coudre. Ça va être bon pour l'éclairage. Oui, très, très bon. As-tu une idée de qui tu vas engager? Oh, je sais pas encore. Je connais une couple de bonnes couturières. Je vais leur demander en premier. Puis sinon, ben, ils vont peut-être me référer quelqu'un. Salut. Allô? Salut. Ah, hey, wow, hein? Hein, une fois nettoyé, là, c'est pas mal plus grand. Tu vas nous faire un bel atelier bien éclairé. Ouais. Je pense que je vais amener ma table à dessin ici. Ah, ben non, non. Tu peux pas me faire ça. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si je t'ai pas à côté de moi tous les jours? De toute façon, on sait tous que c'est moi ton inspiration. vous me le dites, hein, si je dérange. Mais non, niaise. Non, non, je suis très sérieux. Si tu montes ta table à dessin ici, moi, je vais monter mon bureau. Ça serait excellent pour la boutique, on pourrait agrandir un peu. Simon, faut laisser de la place pour les machines à coudre. Ouais, OK. C'est beau, t'as raison. Hey, moi, je finis de travailler dans 3 quarts d'heure à peu près, là. Puis, étant donné que je vous ai pas aidé à nettoyer, j'ai pensé de vous offrir l'apéro. Ah, oh, c'est gentil, mais je reçois à souper ce soir. Ah. Maryse, toi? Ah, j'ai rien de prévu. Bon, on se voit tantôt. OK. OK? C'est bon. Salut. OK, bye. Ça va prendre un verre avec Simon. Ouais, pourquoi pas? Est-ce que ça te dérange? Oups. Mais, tu sais, ce serait normal que ça t'achale un peu, hein, mais ce serait ton instinct de possession qui ressortirait, mais ça va passer, tu vas voir. Si Simon t'intéresse, Maryse, vas-y, moi, ça me dérange pas pas. Il m'intéresse pas du tout, je te taquine. Non, il est bien cute, il est bien drôle, là, mais c'est pas mon genre. C'est vrai que ton genre, toi, c'est plus Antoine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'Antoine serait plus mon genre, mais je vais pas sortir encore avec mon coloc, hein, ce serait ridicule. Pourquoi, s'il te plaît? Oui, mais je suis pas sûre d'y plaire. Avec Michel, c'était plus évident, mais lui, je sais pas. Laisse ces choses aller, hein. Il pourra pas résister longtemps à ton charme, c'est certain. C'est ça, oui. OK. C'est bon, Mélodie, tu peux y aller. Fait que celui qui est dans le garde-robe, il dit, ben, si tu me trouves pas, je suis dans le garde-robe. Coudonc, Philippe, ça fait-tu longtemps que tu sors avec Daphné? Ah, les nouvelles vont vite. Ouais. Daphné qui, là? J'essaye pas. Non, on se voit régulièrement depuis quelques semaines, mais c'est tout. Ah ouais, c'est clair. Moi aussi, les filles que je vois régulièrement, je sors de leur appart tous les matins. Tu sors avec, oui ou non? Ben, oui, ben... On s'est pas dit ça comme ça, mais c'est... Hey, Dieu! Hey, gagne à vue! Hey, là, ben, finalement, tu veux te faire avec, ça, tu... Hey, vous êtes drôle en sacrement. Déjà que je vous trouvais chien d'avoir mouillé mon stock, là, je vous trouve carrément baveux. Philippe, connais-tu un bon traitement pour les cheveux gras? Parce que sans ça, il reste toujours le clipper. Hey, oh! Veux-tu manger quelque chose? Julien, j'ai repensé à ton affaire, là. T'avais raison tantôt. On vivra pas ensemble toute notre vie, hein. Il est temps que j'apprenne à me débrouiller tout seul. Sous-loue ton appartement, puis je vais déménager. Je vais peut-être aller rester avec Sophie. Je sais pas. Je vais trouver. Bon, ben, arrête de chercher, là. J'ai trouvé la solution. Je t'engage. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Je t'engage comme gardienne de mes biens. Tu restes ici. Tu t'arranges pour garder mes affaires en bon état, puis moi, en échange, ben, je paye le loyer pour 1 an. Ça va te donner le temps de voir venir, puis moi, ben, ça va me faire un endroit où venir si jamais ça marche pas. Tout l'appart à moi tout seul, là, sans que ça me coûte rien. Ben, minute, là, tu vas payer les dépenses courantes, puis ta bouffe. Je viendrai pas faire l'épicerie, moi. Mais je vais pouvoir faire ce que je veux, là, ça va être chez nous. Ben là, oui, mais j'aimerais pas que tu vendes mes meubles, mettons. Ben. T'acceptes? Ben oui! Ben c'est réglé! Oh merci, mon petit papa d'amour! Je suis bien content! Oh! Attends de voir de quelle couleur je vais remettre ta chambre!
Ouais. Voyons, là, on paniquait pas, ça fait partie de la game. Oui, puis de cette façon-là, c'est tout de suite senti accepté par l'équipe. T'es paix quand même. Ah oui, puis ton initiation quand t'es rentré en pharmacie, toi, c'était plus brillant, je suppose. Il a fallu que tu te déguises en boîte de pilules pendant 2 jours. Puis ça, là, si t'avais été un gars, ça aurait été en condom. Puis toi, en médecine vétérinaire, c'était mieux peut-être, hein? Fallait que tu te promènes avec un genre et de veau autour du cou pendant toute la semaine initiation. C'était dégueulasse. Je l'ai changé à tous les jours. De toute façon, n'importe quelle initiation, c'est idiot. Ah, c'était pas mon idée, c'était celle de Louis. J'y ai dit que j'étais pas d'accord non plus. C'est toi qui voulais le raser. Mais il avait pas rasé la tête. Ben voyons donc, toi, on sait vivre. Ce qu'on rase, ça paraît pas. Ben non, vous avez pas fait ça. Ben non. Il est-tu bon, au moins? Voilà, il est pas aussi bon que moi, c'est sûr, mais il est assez robuste. Il va chercher la poque dans le coin, il va être utile. Hein? Il va être parfait pour le tournoi. Nos chances augmentent. Ouais, c'est où cette année, cette orgie-là? À Trois-Rivières, puis c'est un tournoi sérieux, c'est pas une orgie. Mais non. J'ai trouvé un numéro de téléphone de son jackstrap l'année passée. Et c'était celui de François. C'est comment qu'elle s'appelle, la popone? C'était Monique. C'est je ça? M'en souviens plus. C'est quand, ça? Dans 2 semaines. Toute la fin de semaine. Ben là, tu peux pas y aller. Mais non, toi, comment ça, je peux pas y aller? Ben oui, comment ça, il peut pas y aller? François a jamais manqué un tournoi de sa vie. Ben là, il va manquer celui-là. Hmm? Samedi, dans 2 semaines, c'est le beach party de la faculté. C'est le plus gros party de l'année. Tu m'as promis d'être là. Ouais, c'est parce qu'écoute, là, j'avais pas réalisé que c'était en même temps. Moi, je peux pas manquer un tournoi. Là. Ben là, tu peux pas revenir pour le samedi soir? Non, parce que regarde, si on joue en finale, on joue le dimanche matin. Hmm? Je vais être libre, moi, samedi-là. Je vais être libre toute la fin de semaine. Je vais y aller avec toi à ton party. Il va falloir que tu t'habitues, Caro. Le hockey, c'est sacré. Et toi, fais pas exprès, hein. De toute façon, il va y en avoir d'autres, des bitch parties, là, j'irai au prochain. Si t'as rien de mieux à faire. Y a-tu quelqu'un qui veut encore une brochette qui en reste? Moi, je vais en prendre une autre. Le hockey, ça creuse. Tiens, je pense que c'est parfait. Ça se peut. J'étais censé sortir à soir, moi. Ben ouais, mais tu mettras du gel, poings. Laisse faire, je viens juste de dégraisser. De toute façon, j'ai mal partout. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas joué. Ah, ben veux-tu que je te fasse un massage? Hé, hey, mon Dieu, tu me gâtes. Tu me laves les cheveux, tu veux me masser. Ah, profite-en. C'est pas tous les jours que je suis gentille comme ça. Merci. Ça fait du bien. Je pense que je vais être assez en forme pour sortir, finalement. OK. Comme ça? C'est tout à fait ça. Et voilà. Puis là, tu penses être capable? Oui, non, t'es bien insultante. Hey, des étagères, il n'y a rien de plus facile que ça à faire. Une journée, c'est fait, c'est posé, on n'en parle plus de ça. Ben, Louis va m'aider à part de ça. Ah ben oui, moi puis la construction. Et Burslack, as-tu vu l'heure, toi? On se prend contre avalanche ce soir? Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais là? On sait qu'est-ce que je fais là, on a une bonne game, je regarde la game. Ben oui, mais il n'y a pas question que je passe mon samedi soir à regarder une partie de hockey. Ah, faisons pas, pas obligé de regarder, là. Vous pouvez jaser entre vous autres, mais mettre ça sur nous. Ben voyons, François, on est chez du monde, là. Hey! Chez du monde, chez du monde, chez Louis. Ça te dérange-tu, toi? Pas tout. Ben, OK. Non, et toi, on sait bien que tout me faire chier. Tu penses? En tout cas, moi, ça me dérange. Ben oui, mais qu'est-ce que je te dis? T'es pas obligé de rester ici. Allez dans la cuisine faire la vaisselle. Ah, oh, oui, c'est ça. Ben. Hey, où tu vas, toi? Au cinéma. Hein? Avec ou sans toi, je m'en vais au cinéma. Ah, come on, Caro, s'il te plaît, là. Écoute, de quoi je vais avoir l'air lundi sur le chantier? Moi, être le seul à pas l'avoir vu, la gang. T'as l'air de ce que tu veux. Merci, Isabelle. Bye. C'est délicieux. Bonne soirée. Salut, là. Salut, ça, ça. Hey, peux-tu me payer par game? Pas de problème, François. T'as bel air content, toi? Ça durera pas. X, ça durera donc pas! Chaton, c'est pas gentil de se réjouir du malheur des autres. Ah ben moi, j'avais dit à François que ma soeur était pas du monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'enregistres pas pour François? Ben oui, regarde, là. Ça l'enregistre déjà. Moi aussi, je vais la voir, cette partie-là. La cassette est dedans depuis un matin. Ah, c'est un génie. Oui, moi aussi, je trouve ça. Bien temps. On va aller faire la vaisselle. Oh, on est samedi, ça peut attendre. Bien sûr. Ma coquine.